suspiro que nos hace por el alma. Que si hay miedo no se calma, que no se encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere, este amor no se muere aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Je veux vivre en paix. Elisa, je suis sûr qu'ensemble, on arrivera à trouver une non, solution. Non, laisse-moi tranquille. Il faut que tu comprennes que tout est terminé entre nous. Parce que cette fois, l'obstacle n'est pas ton enfant, ni ta mère, mais c'est moi. Au revoir, Damien. J'espère que tu seras heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été rapide. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Et quant à vous, madame, vous pouvez être rassurée parce que Damien a enfin compris que sa place n'est pas à mes côtés. Je suis très heureuse pour lui. Salut, Gaël. Salut. Le père Loupé est là? Non. Il n'est pas encore rentré. Tant mieux. Gaël, je suis venue te voir parce que... bon, je crois qu'il faut qu'on parle de ce qui s'est passé entre nous, non? Oui, oui, je suis d'accord. Et crois-moi, je me sens très mal par rapport à ça. Donc tu regrettes, c'est ça? Non, n'interprète pas mal, non. C'est à cause de ce qu'a dit ta grand-mère. Elle a dit que tous les deux, on prenait du bon temps à... à faire ce qu'on était en train de faire, et pendant qu'Elisa était au plus mal à cause de la mort de son père. Moi aussi, je me sens très mal. Mais on ne pouvait pas non plus deviner ce qui se passait, on n'en savait rien. Mais c'était aussi très embarrassant de se faire surprendre par ta grand-mère dans ces conditions, pas vrai? Ben oui. Elle t'a dit quelque chose? Non. Elle ne veut même pas me parler. Et ça, pour moi, c'est encore pire que tout. Oh, je suis vraiment désolée de t'avoir créé des problèmes. Non, Gaël. Tu n'as rien créé du tout. Moi aussi, je suis responsable de tout ce qui s'est passé. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve qu'un moment qui aurait dû être important pour nous ait été gâché par tout ce qui s'est passé ce soir-là. Gaël, qu'est-ce qui va se passer entre toi et moi? Je ne sais pas. Je vois. Je ne veux pas que tu te sentes obligée de continuer avec moi. Je veux juste que tu y réfléchisses. Et une fois que tu seras décidée, eh bien, viens me voir. Que se passe-t-il, mon enfant? Que se passe-t-il, Elisa? Je croyais que tu voulais partir avec Damien ce soir, et je te trouve là, en train de pleurer, ma belle. Je ne pars plus. Et encore moins avec Damien. Écoute, si c'est à cause de moi, Elisa, que tu as changé d'avis, je ne suis pas d'accord. Ma chérie,
Tu seras beaucoup mieux loin de tous les fantômes de cette maison. Et surtout loin de ta monstrueuse tante Carmina. Peut-être. Mais je ne pars pas maintenant. Pas avec Damian. Mais pourquoi? Nous avons encore rompu. Mais cette fois-ci, c'est définitif. Pourquoi? Parce que Florencia attend un bébé de Damian. Je ne savais pas que tu étais déjà rentrée. Oui, je suis rentrée tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as le regard le plus triste que j'ai jamais vu de ma vie. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Rien. Je n'ai rien du tout. Tu vas voir que dans quelques secondes, je vais te redonner le sourire. J'ai une bonne nouvelle. Et je suis certaine qu'elle va te remplir de joie. Ah? Alors, c'est quoi cette nouvelle? Mon amour, je suis enceinte. On va devenir parents. J'étais loin de me douter que tu étais là, Gabino. Je sais, madame, mais je vous attendais parce qu'il faut que je vous parle de toute urgence. Je suis allée à l'hôpital rendre visite à Antonia. Elle m'a dit que son mari était au courant de la liaison qu'elle a eue avec toi. À ce que je vois, Brolio n'a pas attendu pour te refaire le portrait. Si vous avez peur que Brolio ait découvert que c'est vous qui m'avez demandé de garder le secret, ne vous inquiétez pas. Évidemment, je n'ai rien dit. Alors, qu'est-ce qui était aussi urgent et qui ne pouvait pas attendre jusqu'à demain? C'est un peu délicat, madame. De quoi s'agit-il? Des terrains que j'allais racheter à Augusto Castagnone. Je crois qu'on va avoir un gros problème dans ce dossier. Pourquoi? Eh bien parce que je lui ai donné l'avance qu'il m'a demandé, 50%. Mais bon, maintenant qu'il est mort, comment je vais la récupérer? Je n'ose pas imaginer, Gabino, que tu es en train d'essayer de tirer profit de la situation. Qu'est-ce que vous croyez, madame? J'oserais pas. Regardez, j'ai le contrat de vente avec moi. Augusto l'avait déjà signé. Hein? Je suis vraiment désolé, madame, mais je crois que vous allez dire au revoir à l'argent que vous lui avez donné. Je ne sais pas du tout comment tu vas faire. Mais soit tu me ramènes l'argent que je t'ai donné, soit tu me décroches aussi loin bientôt. C'est clair? Oui, madame. C'était tout, voilà. Excusez-moi. Attends. Oui, madame? Puisque tu es là, j'ai besoin que tu mènes une petite enquête. J'ai entendu dire que la veuve de M. Beltrán a mis son hacienda en vente. Je veux que tu découvres si c'est vrai ou pas. Pourquoi? Vous êtes intéressé? En effet, je veux la racheter. Ça risque d'être un peu difficile, madame, parce que d'après ce que je sais, la veuve l'a déjà vendue. Prends contact avec elle et empêche la vente. Au moins jusqu'à ce que je puisse faire une offre à cette femme. Je t'assure qu'elle ne pourra pas la refuser. Tu peux disposer maintenant. Mon amour, mais tu pleures! Je ne pensais pas que cette nouvelle te ferait pleurer de bonheur. Ça fait combien de temps que t'es au courant? Je l'ai appris juste cet après-midi. Je suis allée à Mérida très tôt ce matin pour faire une prise de sang et je leur ai demandé de m'envoyer les résultats. Ta mère était avec moi et c'est elle qui les a gardés. Si je te dis ça, mon amour, c'est parce que je suppose que tu as envie de les voir pour être bien sûr. Tu croyais que j'aurais des doutes parce que tu as déjà simulé une grossesse? C'était une erreur. Et je te jure que ça ne se reproduira pas. Cette fois, je ne pense pas que tu mentes. Tu sais parfaitement qu'un mensonge de cet ordre-là ne peut pas durer très longtemps. Maintenant, je ne sais plus vraiment si tu pleurais réellement de bonheur ou parce qu'il y a quelque chose d'autre. Ton regard est tout aussi triste que tout à l'heure. Et je ne comprends pas pourquoi. Il se passe quelque chose que je ne sais pas. Non. Rien. Rien de très important. Alors dans ce cas, essaie de sourire un peu, tu veux? Tu vas avoir un enfant, mon amour. Nous allons avoir un enfant.
Je suis très contente que tu aies enfin réussi à sortir de ta chambre. Elisa, je suis désolée que tes projets avec Damien soient encore tombés à l'eau. Vous avez tellement essayé d'être ensemble depuis que vous êtes gosses. Je ne pense pas que tu sois désolée. Au contraire, ma souffrance doit certainement te faire plaisir. Non, 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 attends. Qu'est-ce que tu veux ? Elisa, je sais. Je sais qu'on est deux personnes extrêmement différentes, toi et moi. Et qu'on a eu tous les problèmes possibles. Mais... Je crois qu'on devrait faire un effort. Pourrait-on essayer de bien s'entendre malgré tout ? Nous n'avons plus personne. La seule chose qui nous reste, c'est la famille que nous formons, toi et moi. Je ne le crois pas. J'espère. J'espère qu'on arrivera à faire un effort. Bonne nuit. Bon, il est encore tôt, mais... Je préfère aller dormir maintenant, je suis fatiguée. Va te reposer, toi aussi. Bonne nuit, ma tante. Madame Beltran ? Gamilo Mendoza, chère madame, comment allez-vous ? Très bien, merci. Écoutez, bon, je sais que je vous dérange, je sais qu'on a convenu de signer dans quelques jours, mais je voulais savoir si c'était possible de le faire demain matin plutôt. Non, qu'est-ce que vous croyez, chère madame ? Je m'occupe de tout. Ne vous inquiétez pas, le notaire sera là à la première heure demain matin. Oui, chère madame. Évidemment que j'ai le chèque. Il manquerait plus que je ne l'ai pas. Hein ? Donc on se dit demain matin, alors je viendrai très tôt. Je vous souhaite une très bonne nuit. Bonne nuit. Oui, tu as raison, Dolores, on dirait que le verrou est cassé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, on dirait qu'il a été forcé. Oh mon Dieu. Il va falloir qu'on le répare, alors regarde, la porte ne ferme pas bien. Oui, bien sûr, évidemment, Dolores. Je vais la réparer demain matin avant d'aller au travail. Devine quoi ? Hein ? Ma petite Elisa. Elle n'est pas partie, finalement. Dolores... je suppose que ça veut dire que... qu'on va devoir rester ici, nous aussi, c'est ça ? Oui, Horatio. Je ne peux pas laisser la petite toute seule. Ouais, je sais, ouais. Dolores... Je suis désolé pour ce qui est arrivé à Monsieur Augusto, je sais que tu l'appréciais beaucoup, hein. Oui. Évidemment, comment pouvais-je ne pas l'apprécier après avoir travaillé pour lui pendant toutes ces années ? Monsieur Augusto avait peut-être beaucoup de défauts, mais c'était mon patron et... Et d'une certaine manière, il m'a toujours respecté et il m'appréciait beaucoup. J'ai vraiment de la peine. Pour Mademoiselle Elisa... Elle doit être inconsolable, pas vrai ? Oui. Inconsolable, tu peux le dire, Horatio. Qui sait ce que va devenir ma petite chérie, parce que... Je me sens totalement impuissante. Je sais pas comment lui remonter le moral. Non, Dolores. Dolores, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu as toujours su quoi faire pour l'aider, hein ? Je ne sais pas, Horatio. Je te jure que j'essaie d'être forte pour pouvoir l'aider, mais... Mais... Je sens que je n'y arriverai pas. Non, Dolores... Le problème... C'est que moi aussi, je suis anéantie. Mais non. Mais Dolores... Hein, je m'occupe de toi. Bonsoir, mon père. Mon enfant... Comme je suis content de te voir ici. Merci. Je t'en prie, entre. Merci. Assieds-toi, mon enfant. Je suis venue vous demander si vous pourriez dire une messe en l'honneur de mon père. Bien sûr que oui. Et est-ce que 8 heures demain matin, ça pourrait te convenir ? Parfait, oui. Quelle que soit l'heure, ça me convient. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de monde de toute façon, donc ce n'est pas grave. Non, mon enfant.
les gens qui doivent être là seront là, c'est tout. Justement, aujourd'hui, Damien m'a demandé s'il allait y avoir une messe ou des prières pour ton papa. Il faut qu'on lui dise. Je ne préfère pas qu'on lui dise. Pourquoi pas? Parce que moins je le vois, plus c'est facile pour moi de l'oublier. Elisa, pourquoi persistes-tu à te priver de la possibilité d'être heureuse avec lui? Je ne me prive de rien. C'est la situation, le destin, ou peu importe comment on l'appelle. Mon enfant, je crois que tu te laisses emporter par le chagrin que tu ressens en ce moment. Non, mon père. Je ne peux pas être avec Damien. Parce que sinon, on devrait vivre avec un trop gros fardeau. Et ça, je ne pourrais pas. Mais je crois que tu as besoin d'un homme, justement comme Damien. Un homme qui t'aime, qui prenne soin de toi et qui te protège. Oui. Oui. Mais je suis maintenant convaincue que cet homme n'est pas Damien Arengo. Moi, je suis une femme. Et il faut que j'apprenne à me débrouiller toute seule. N'est-ce pas? La foi. Garde foi en Dieu, notre Seigneur. Il t'aidera à t'en sortir. Tu verras. Et bien sûr, on se voit demain, à 8h. Merci beaucoup, mon père. On se voit demain, excusez-moi. Vas-y, Elisa. Que Dieu te bénisse. Salut, Gaël. Salut. Entre, je t'en prie. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux t'aider? Je suis venue demander au père Loupé de dire une messe pour mon père. Elisa, je veux que tu saches que je vais bien m'occuper de son cielo à bientôt. Et que tu n'auras pas à t'inquiéter pour ça. Merci beaucoup, Gaël. Il avait l'intention de vendre ses terres. C'est ce que tu vas faire? Non. S'il a voulu le faire, c'était pour rembourser ma dette auprès d'Alfonsina. Mais la vérité, c'est que ça n'a plus d'importance. Elle peut tout garder, ma serre, si elle veut, tout. La dernière chose que je veux, c'est me disputer avec elle. Ne te laisse pas abattre, ma belle. Écoute, on va voir ce qu'on peut faire pour sauver ces terres, mais je peux te promettre qu'on y arrivera. Tu sais que tu peux compter sur moi si tu veux quelque chose ou si tu as besoin de quoi que ce soit, hein? Toi aussi. Mon père avait une totale confiance en toi. Et moi aussi. Chaque jour, je devrais remercier Dieu notre Seigneur d'avoir un ami comme toi, Gaël. Un ami. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là toute seule? Oh, j'attends pas Olo. Ça ne lui ressemble pas d'arriver aussi en retard. Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de te le dire, mais ton père est venu me parler l'autre jour. Et il m'a expliqué qu'il n'approuvait pas du tout ta relation avec Paolo. Je crois que c'est ton frère qui a dû lui en toucher un mot. Oh maman, j'en ai vraiment marre qu'Enrique se mêle sans cesse de ma vie. Le fait qu'il soit mon frère ne lui donne pas le droit de faire ça. Eh bien, tu dois comprendre que si Enrique fait ça, c'est parce qu'il s'inquiète. Mon Dieu, toi. Il ne manquerait plus que tu prennes sa défense maintenant. Mais non, bien sûr que non. Mais je pense que tu devrais quand même te méfier un peu de Paolo. Oh, maman, mais... Souviens-toi qu'il vient d'Europe et qu'il a l'habitude de fréquenter un autre type de jeune femme. Tu sais, Paolo est un homme très bien, il me traite avec beaucoup de respect. Oui, je n'en doute pas. Mais quand même, tu ferais mieux de prendre tes précautions, ma fille. Au moins pour faire plaisir à ton père et à ton frère. Je n'ai aucune raison de leur faire plaisir. Et très bientôt, vous allez tous vous rendre compte que Paolo me traite avec respect et que c'est un homme très bien. Bien. Alors, je suis soulagée. Parce que s'il y a une chose que je ne pourrai jamais te pardonner, c'est que tu tombes enceinte.